que je trouvais intéressant, c'était de développer tout ce qui était découverte de l'autre. Tout le cheminement de connaissance. Je veux apprendre à connaître, à comprendre l'autre. Et c'est à travers cette connaissance, cette compréhension, cette volonté, cet élan d'aller vers l'autre, que même Ophélie développe sa propre quête d'identité. Je me pose toujours la question, ce personnage, qu'est-ce qui lui manque fondamentalement? Qu'est-ce qui fait qu'il se sent, ne serait-ce que inconsciemment incomplet? Parce que tout le monde est incomplet presque par nature. Je veux une histoire où la première impression n'est pas la bonne, n'est jamais la bonne. La seconde pas toujours non plus. Et où les apparences sont toujours trompeuses.